מזמור לדוד, השם רואי לא אחסר, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני. נפשי ישובב ינחני, במעגל צדק למען שמו, גם כי אלך בגי צל מוות לא עיר הרע. כי אתה עמדי. שבתך ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפניי שולחן נגד צוריי. Il y a un rapport sensible avec tout. Ce rapport sensible, il faut le dépasser et il faut l'amener dans un rapport conscient et un rapport responsable. Il faut dire non, attends, une minute, attends, je dois faire la bracha, attends, je dois faire ça. Il faut arrêter le flux des sensations et passer dans la responsabilité. La responsabilité, c'est d'amener la chose au niveau de la parole. Il faut l'élever de la sensation à la parole. Quand je l'ai passé dans la parole, j'ai fait de Elohim, j'ai fait Yudke Vavke. Et à ce moment-là, je rentre dans la miséricorde totale. Je sors de la rigueur. C'est-à-dire, on ne peut plus faire avec moi des comptes. Parce que moi, je suis sorti du côté consommation, du premier niveau de rapport avec la matière. C'est comme si quelqu'un travaille à la banque, il est employé à la banque et il compte toute la journée de l'argent. Même s'il voit des millions tous les jours, mais ce n'est pas lui l'argent. Il ne va pas prendre. Il ne va pas s'oublier. S'il va s'oublier, ça ne va pas lui arriver deux fois, en tout cas, de s'oublier. Si une fois il s'oublie, c'est terminé pour lui. Lui, il a son salaire, c'est une chose. Et maintenant, il travaille, il compte des billets, ça n'a aucun rapport. Il est conscient que ce n'est pas son argent. Il n'a pas de problème avec ça. Maintenant, un juif, c'est pareil. Un juif, il a un rapport avec le monde, mais ce monde-là, il dit pas « on me l'a donné pour moi, pour que je profite ». Il est comme celui qui compte, qui est caissier à la banque, qui compte, c'est tout. Il utilise, il prend, il range, il fait des paquets, il met, il pose, etc. Il prend la chose, il fait la bracha, il demande à Kadosh Baruch Hu. Il a un rapport avec Hachem, qui est un rapport responsable, pas un rapport sensible et affectif. C'est ce que je vous avais dit pour Orpa et Ruth. Ruth, quand Orpa, elle a dit, quand Naomi, elle a dit, j'ai plus rien pour vous, c'est-à-dire que j'ai plus d'enfants à vous donner pour vous marier, etc. Et je suis pauvre, j'ai plus rien du tout. Alors Orpa, elle est partie. Orpa, elle est partie parce qu'elle elle a fait une bise à Naomi. Elle a dit, elle a fait Neshika, elle est partie. Et Ruth, elle est restée avec elle. Elle a dit, moi, je suis pas là pour te faire des bises. Moi, je suis là avec toi pour le tachlit. Je suis pas là parce qu'on va faire des choses agréables. Je suis là pour ce qu'il y a à faire, il faut me le dire. Il ne faut pas avoir peur de me dire ce qu'il y a à faire parce que je veux le faire. C'est ça que je veux faire. Elle dit, voilà, maintenant tu m'as dit que tu vas mourir, alors pas de problème, je vais mourir avec toi, il n'y a aucun problème là-dessus. Tandis que Orpa, non, elle voulait que sa Torah elle soit agréable aussi. C'est-à-dire elle veut le côté aussi agréable de la Torah, elle voulait kiffer un petit peu, etc. Alors ça a donné après qu'elle a enfanté Goliath, et Orpa, qui était l'ennemi mamache de David, c'est-à-dire c'est l'opposé même de Mashiach, ce union-là. Des gens qui veulent joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Puisque maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a dit de faire ça, comme on dit, un avocat, c'est celui qui sait le mieux comment on peut détourner la loi. Il apprend tous les jours la loi pour savoir comment on va détourner la loi. Maintenant, la Torah, on peut la voir comme un mode de vie que Kadosh Baruch Hu nous a donné. Maintenant, dans ce mode de vie, du moment où on l'a écrit, et du moment où tout écrit est contournable, du moment où on l'a écrit, ça devient contournable. Si maintenant on va dire, ah ouais, mais il n'a pas dit vraiment ça. Est-ce que quand il a dit ça, il avait dit que ça, il ne faut pas faire comme ça, et qu'il n'a pas dit, donc ça, on peut faire. Alors on dit à l'autre, mais qu'est-ce que tu veux faire, toi? Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est que tu cherches quoi dans la vie? C'est ça qu'il faut nous traduire en compte rendu à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, si tu sais faire ça, et que tu commences à t'éduquer à le faire, après, c'est beaucoup plus facile pour toi de rentrer dans la Amida. Parce que tu vas rentrer dans la Amida, et dans la Amida, tu vas trouver des rapports vivants de ces mots-là.
Et quand tu es arrivé à faire vivre ces mots-là, à leur donner, mamache, un rapport dans la journée vivant, ça y est, la tefila, elle s'ouvre. C'est là où elle s'ouvre, la prière. Mais sinon, la plupart des gens, c'est une récitation, la Amida. C'est une achana, alors. L'Aïd-Boyedou, ça sert à une achana. Ça sert à une préparation. C'est-à-dire, c'est plus... La Shemona Esrei va être plus prénat Torah que tefila. C'est plus de la connaissance que de la prière. Bien que c'est présenté sous une forme de prière, mais c'est plus au niveau de la connaissance. C'est-à-dire pour creuser cette connaissance et en faire du vécu, de manière à ce que tu sois concerné, ça demande un effort. Cet effort-là, il est dans l'attitude, si tu veux, de changer de vêtements à chaque instant, de mettre des vêtements blancs à chaque instant. L'instant, il tente à nous amener vers des vêtements rouges, c'est-à-dire des vêtements qui sont que de la sensibilité, des informations sensibles. Ça m'amène du plaisir, ça m'appelle ça. C'est des rouges, c'est quand il y a beaucoup de gamme, quand il y a beaucoup de taches. Non, même s'il n'y a pas de taches, le principe du rouge. Quand il est révave, là, le révave. Ça, c'est autre chose. Ça, le révave sur les vêtements, on l'a vu, il l'a dit. Le révave, la tache sur les vêtements, quand un Talmid Chacham, il a une tache sur son vêtement, ça veut dire que son sang, il a taché le vêtement. D'accord ? Ça veut dire qu'on veut lui montrer là-dedans qu'il a abîmé son sang. Et son sang, il a été taché le vêtement. Bon. C'est ça ce qu'on a dit chez le Talmid Chacham. Qu'on lui montre que c'est pour ça qu'on dit Chayav Mita. C'est très grave. Quoi, un Talmid Chacham, parce qu'il a une tache sur son vêtement, il est Chayav Mita. Il dit Chayav Mita parce que la tache sur le vêtement, elle traduit qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne marche pas dans le sang. Il y a un Gamouchani qui est une avéra dans le sang. Et que ce sang-là, il vient abîmer les Levushim, c'est-à-dire salir les Levushim. Alors que les Levushim, ils doivent être les Vanim. Les Vanim, ça veut dire qu'ils doivent être, ils doivent montrer la transparence de la chair. C'est-à-dire en les réparant, c'est quand tu les renvoies. C'est comme le tennis. Il faut les renvoyer. Parce que dans la tête, il ne peut pas y avoir deux choses. Comme au tennis, s'il t'envoie une balle, le gars, quand il t'envoie la balle, il faut que tu la renvoies. C'est pour ça qu'elle est venue. La marche à val, elle vient pour que tu la renvoies. Mais le cas dans les Boïdou, c'est d'arriver à te concentrer de manière à arriver à des ouvertures de dialogue. Que tu vas voir qu'ils sont au-dessus de tout ce que toi tu vis. Si tu es matmi dans Edboïdou, tu vas arriver à un moment à parler des choses qui ne te concernent même pas à toi. Tu vas être le porte-parole d'autres ignanimes complètement. C'est-à-dire tu vas avoir des paroles qui vont te passer dans ta bouche qui ne te concernent même pas à toi. Tu ne sais même pas pourquoi ça vient, ces choses-là. Mais c'est pour. Hachem, il a d'autres Heshbonot dans le monde. Qu'il y a besoin de gens qui parlent de certaines choses devant Hachem. Et des fois, quand il y a besoin qu'elles soient dites, elles vont être dites par quelqu'un qu'il ne sait même pas pourquoi il dit ça. Ça vient comme ça dans son dibour, mais ce n'est même pas lui. Ça ne vient pas de son esprit. C'est pas lui qui. Ça vient de la connexion, comme quelqu'un écoute la radio, puis tombe au milieu d'un truc, un son qui passe. Ça parle en japonais, d'un coup. Hein? Genre une interférence. C'est possible, pourquoi pas. Tu n'arrives pas à lutter. Quand tu as 10 000 personnes qui te disent une chose, comme le truc du réflexe de Pavlov, le type, il te le fait. Il te montre, il te dit, tu ne peux pas sortir de là. Si à chaque fois qu'on t'amène à manger, on va te faire sonner, on va faire sonner la truc, on va le faire 100 fois, le jour où on va sonner sans t'amener à manger, tu vas baver tout de suite, tu vas saliver. Tu peux pas, parce que c'est le nefesh behemi qui est comme ça. C'est l'âme animale qui est comme ça. Alors eux, les philosophes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils font des systèmes d'exploitation de l'âme animale. Et pour sortir de ça, il n'y a qu'une seule chose, c'est de te créer un cerveau par la émouna, pas par la réflexion. C'est un cerveau qui se fabrique par un échange standard. Ce n'est pas par la réflexion. C'est-à-dire tu le prends, tu le mets de côté et tu t'en prends un autre. C'est tout. Tu en prends un autre qui vient d'un autre monde. C'est ce que Rabbeinu l'appelle Zikaron d'Alma Deatil. Le souvenir du futur. C'est-à-dire tu vas te souvenir du futur. Mais comment tu peux te souvenir du futur? Il n'est pas là. Mais c'est ça le lien d'un juif. Qu'un juif, il peut se souvenir de ce qu'il va être. Et à ce moment-là, ça change sa vie. Il l'avait déjà. Hein? Parce qu'il l'avait déjà avant. Il l'avait déjà avant de venir dans le monde. Hein? Bon, Hachem, quel chesed, quel jour il a fait que dans le ventre de la maman, le bébé, il étudie toute la Torah entière. Quand tu vois ton petit bébé qui naît, le respect que tu dois avoir pour lui, c'est un Talmid Chacham qui vient de venir dans le monde. Il connaît toute la Torah entière. Il a étudié toute la Torah. Tu dois le respecter énormément.
parce que c'est quelqu'un, plus, c'est ce que Rabbi nous l'a dit, plus il est jeune, plus tu dois le respecter, parce qu'il est frais dans sa connaissance. Il vient